Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, un certain Gachongo ou Gachono, ça doit être un Mboshi. Ce Mboshi a réagi violemment contre moi au sujet de la vidéo que j'ai partagée hier, que Denis Sassou Nguesso aurait effectué une escapade mystique nocturne à Makwa. Et donc, j'étais là pour analyser ce détour de Sassou Nguesso à Makwa. Et ce monsieur Gationo, par ignorance, vient me charger et me traiter de tous les maux que je suis l'un des tribalistes du Congo et en particulier le plus tribaliste des Makwa dans ce pays et en particulier contre le régime de Sassou et les Mboshi. Donc je vais ici vous alerter et lui aussi et éveiller les consciences des uns et des autres. Vous le savez que avant chaque changement majeur précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc ce monsieur m'a lancé quelque part une fatwa, parce que quand on voit le contenu de son message, sympa au départ, et après bon ben, il vient chercher que je serai le plus tribaliste de Makwa. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Quelle signification donner à Sassou Nguesso interdit de se rendre à Makwa? Et pourquoi? C'est pour trois points essentiels. Le premier point est d'ordre culturel. Le deuxième point est d'ordre des contentieux historiques. Et enfin, le troisième et dernier point est politique. Explication. D'abord, le premier point qui est culturel. Vous le savez que chez nous, en Afrique, et en particulier dans notre pays, le Congo-Brazzaville, historiquement, avant d'être intellectuel, politico-intellectuel, politicien, cadre, etc., on est avant tout d'appartenance soit tribale, ethnique et ou géopolitique. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui l'aurais inventé. C'est une réalité historique et factuelle. Pendant la dictature clanique de Denis Sassou Nguesso. Dans notre conscience, à chaque fois qu'on parle d'un individu, on regarde son nom, on va dire, ah tiens, il est de telle tribu, il est de peut-être de tel groupe ethnique, ou peut-être qu'il est de telle géopolitique, nord-sud. On est d'accord? C'est une réalité. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On en parlait dans les années 60. J'étais encore un bébé. On parlait dans les années 70. J'étais encore un ado. On en parlait dans les années 80. J'ai commencé à être adulte. Et voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est une réalité historique. Et chaque fois qu'on essaie un peu de lever le débat, on nous ramène toujours à cette problématique. Culturel, politico-culturel et factuel actuellement, puisque le régime de Denis Sassou Nguesso est tribal et clanique en même temps, puisque tous les postes de responsabilité ou de commandement des armées autres sont au domaine des Mboshi, du même tribu, qui pourront me dire le contraire. Prenons cinq exemples des victimes
Dimboshi, Denis Sassou Nguesso. La première victime, par exemple, le défunt général Yves Motando. Il était de la Likoala. Je ne sais pas s'il était Bomitaba ou autre. Donc, historiquement, on regarde ce qui précède. Donc, Motando serait un gars de la Likoala. Il était, par exemple, les Bomitaba, mais il serait aussi géopolitiquement du Nord. Vous le savez, vous avez, par exemple, pu voir dans les vidéos où les gens de la Likoala ne cessent d'alerter que pendant les coups d'État, Sassou Nguesso avait roulé les hommes de la Likoala, les militaires de la Likoala dans la farine. Il les a menés tous dans le coup d'État. Après, il a commencé à les déclasser, à tuer les uns des autres, comme le cas de Yves Motando. Donc, ça c'est quoi? Parce qu'on dit que Sassou est tribaliste, puisque le pouvoir est parti soi-disant du Nord pendant le coup d'État. Après, c'est transformé en soi-disant de la cuvette. Après, bon, ben, se retrouve dans le clan. Et donc, et c'est Saya Tonga qui fait ça, ce pouvoir-là. Le deuxième exemple est celui du général Mokoko. Vous imaginez, vous vous présentez à une élection que vous avez certes gagné, mais il y a eu tricherie. Et vous vous retrouvez en prison. Et on risque de perdre sa vie, puisqu'il y a eu des tentatives d'assassinat de Mokoko en prison. La première en 2016, dès qu'il est rentré en prison. Deuxième en 2020, avec ses détours de la Turquie et autres. Donc on a voulu l'assassiner avant Guy Brice Parfait Colère en 2021. Vous imaginez ça? Donc ça, ça se passe comme si, bon ben, rien, pensez seulement à se dire, ah oui, quand on alerte ça, on est tribaliste. Non, ce sont des réalités historiques. Vous avez le troisième cas, le cas de colonel Tchourou, qui pourtant a aidé Sassou Nguesso au coup d'État, et même au Kombi Salissa, la suite à la connaît, Tchourou fut assassiné en prison, et au Kombi Salissa, coupé toujours en prison. Il risque sa vie. Vous voyez que c'est un jeu. On est des animaux. Non, on n'est pas des animaux. On est des humains. On a une conscience. La conscience, c'est la perception du passé, de la réalité et de la projection pour le futur. Comme j'ai dit, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. On est bien conscient des actes, des habitudes, des comportements, de la réalité et autres. On n'est pas des animaux. On est bien d'accord? Très bien. Et quatrième exemple, c'est le cas des Kolela. Père et fils. Et regardez ce que Sassou Nguesso a fait d'eux. On parle de Mboshi, mais au sud, là-bas, on parle que vous, les nordistes, vous les savez très bien. Le cinquième et dernier exemple, c'est de Pascal Lissouba. Regardez après le coup d'État. Qu'est-ce que Sassou Nguesso a fait? Il a joué avec les pions de Lissouba comme on joue dans un jeu d'échecs. Il a couronné certains. Et il est fait déplacer à volonté, en l'humiliant, en faisant plein de choses. Et n'oublions pas ceux qui ont été assassinés et ceux qui vivent en exil. Vous voyez que c'est comme ça, que ce soit les monopoles de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie et autres. Mais ça, c'est ce qu'on appelle quoi? C'est-à-dire, j'ai cité seulement ces cinq exemples-là, sur des milliers d'exemples, plus de 5-10 000 exemples à expliquer depuis les affaires de Kinganga, passées par les Diawara, les Marine Wabi, et 97 jusqu'à nos jours. On est bien d'accord? Donc, l'intellectuel est là pour éveiller les consciences. Je ne suis pas historien, mais je veille les consciences pour qu'on prenne conscience de la réalité, du danger à venir, puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Vous voyez ces exemples précités? Ce sont des bombes à retardement qu'on appelle contentieux historique. Ce sont des bombes à retardement, comme je dis, une énergie potentielle de haine, de rancune, de règlement de compte en dormance, de contentieux historique, etc. Sassou avait-il le monopole de ça? Certainement pas. Donc quand on éveille les gens, et vous venez de lancer les fatwas et créer les amalgames par ignorance
que Aïe Tonga serait le tribaliste sur quel droit et devoir Sassou ne peut pas se déplacer. Mais vous allez comprendre par la suite. Ne peut pas se déplacer, aller à Makwa. Vous allez le comprendre par la suite. En effet, là, je passe au deuxième point pour lequel Denis Sassou Nguesso est interdit de se rendre à Makwa. Et ce deuxième point est d'ordre contentieux, de contentieux historique. Oui, vous le savez que M. Guillaume Soro, vous le saviez, il fut rebelle pendant les années 2000. Vous le connaissez dans les années de 2000, 2005, 2006, 2000, voilà. Bon, après, il serait devenu président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Et puis, Premier ministre sous Alassane Ouattara I. Et depuis, il est exilé, traqué, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que j'ai partagé dans plusieurs vidéos là. Il dit, ces choses-là, ça blague un temps. Ça blague un temps. Le pouvoir, là, vous croyez que vous êtes fort. Vous êtes... Non, oui, non. Ça blague un temps. Mais oui. Parce que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera jamais. Les mêmes causes que les mêmes effets. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Chez nous, en Afrique, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et c'est ça que je vous alerte du danger. Et vous venez me charger que Aya Tonga est tribaliste et beaucoup de choses comme ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, toujours au sujet des contentieux historiques, vous le savez que Adolf Hitler, qui en 1918 a vu l'Allemagne humiliée par la France et ses alliés à la fin de la Première Guerre mondiale, de 14-18, mais Adolf Hitler, alors caporal-chef, qui l'aurait cru que 22 ans après, en juin 1940, Adolf Hitler humilia la France. Il a même défilé ici, à Paris, là pas loin d'ici, à Tour Eiffel. C'est ce qu'on appelle le contentieux historique. Souvenez-vous de Denis Sassou Nguesso, qui, pourtant, les Youlous, les Massamba l'ont fait Sassou Nguesso. Mais regarde comment Sassou Nguesso, depuis de ces années, il ne cesse de s'acharner au Larry Congo et aux sudistes. Avait-il le monopole de ça? Ce sont quoi des contentieux historiques? Souvenez-vous de Fin Mungingangila, qui avait dit, bon, ben, vous les nordistes, là, vous avez votre tour, sinon maintenant c'est notre tour. Vous voyez tout ça? Donc on vous alerte, c'est le sens d'intellectuel. Il vous alerte des contentieux historiques. Donc, au regard de ce qui précède, Denis Sassou Nguesso allait à Makwa, c'est interprété comme un défi. Oui. Un défi. En Lingala, on dit Nako. Mais il n'a pas de monopole de Nako. Hein. Tu l'as emprisonné, Mokoko. Et il est là, coupé en prison. Tu cherches à le tuer. Et il pourrait aller à Makwa. Mais là, mais du jeune au vieux. Et les enfants et petits-enfants, quand tu vois ça, vous voyez ce qui s'est passé à Mokoko là. Le message est passé. Il est dans toutes les consciences, Makwa, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à l'étranger. Mais qui demain peut produire un Sassou Nguesso qui viendra, un Sassou Nguesso Makwa qui viendra s'acharner contre l'embauchie et autres? On peut en multiplier les exemples des contentions en commençant par le sud, depuis le Pointe Noire, les Tistères, les points, points, points. Attendez, chez nous, quand tout a changé, tout a changé, hein. En passant par les Niari, tout ce qui s'assume que soit commis dans les crimes dans les Niari, la Likoumou, la Bouenza, le Poule, les Plateaux, la cuvette ouest, la Sanga, la Likwala, et même dans la diaspora. Donc on est là pour éveiller les consciences. C'est pour cela que dans beaucoup de pays, on cherche là où se trouvent les intellectuels.
Parce que l'intellectuel, c'est quelqu'un qui a une culture générale. Une culture générale. Les sciences humaines, les sciences pures, l'histoire, la géographie, la politique, les sciences pour les relations sociales, tout, il sait analyser, il porte un contenu politique, social et autre par rapport à la réalité. On éveille les consciences. Sasungesu Amakwa, c'est interprété comme un défi. Je vous dis, c'est comme un défi. Je suis la voix de son voix. Donc on dit, s'il ne veut pas monter les défis, les autres viendront aussi monter les défis. Chez nous, on dit Nako, non? Tu ne sais pas que Sassou n'a pas. Sassou n'a pas de monopole de ce qu'il fait dans ce pays. Il y a encore plus tordu. Il y a des salauds. Youlou l'avait dit que dans ce pays, tôt ou tard, nous aurons un fou. Et ce fou-là, c'est Sassou Nguesso. Et je l'ai dit que tôt ou tard, nous aurons un salaud. C'est pourquoi il faut éveiller les consciences et autres pour canaliser cette énergie potentielle de haine, de rancune, de contentieux historique et autres. Qui, vous savez, historiquement, dès les années 2000 et à 2010, vous voyez dans les médias et réseaux sociaux qui se développaient, mais comment on traitait les nordistes? Ils sont tous des sauvages, des bonobos, les pom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 p
Vous imaginez, sur quel droit et devoir Sassou Nguesso a emprisonné abusivement et injustement, et même cherchant même à l'assassiner puisqu'il ne s'est pas encore terminé, parce qu'il y a eu deux tentatives d'assassinat. Le premier en 2016 et le deuxième en 2020, mélangé avec le Covid-19 et tout ça, voilà. Il a voulu faire des cafouillages là. Heureusement qu'on a alerté. Sinon, Mokoko ne serait pas là, il sera déjà plus de ce monde. Même comme les passés, les Guy Brice, Parfait Collé là. Vous croyez qu'il s'est perdu? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc vous voyez que Sassou fait ça parce qu'on a oublié tous ces contentieux qu'il a tués. Mais ce sont des bombes à retardement, je vous dis sincèrement. J'en ai mesuré moi-même. Je vous dis que pour ceux qui ont au moins une mémoire, regardez, il y a écrit Ano Aya dans les médias et réseaux sociaux ici, en France. Quand j'écris analyse pour analyser un contenu dans la même réflexion que je fais, que j'ai commencé depuis des années. L'école primaire, lycée, collège, université et autres. Je vous dis, vous le connaissez le parcours d'Aya Tonga du pays jusque-là. Donc, moi, j'essaie un peu de veiller les consciences. Vous voyez comment on connaît les nord, le sud, ça continue là. Donc, nous, on essaie un peu de cadrer le débat pour l'intérêt général. Et vous venez nous charger que oui, Aya Tonga serait le plus tribaliste et autres. Vous imaginez? Sassou Nguesso emprisonné abusivement Jean-Marie Michel Mokoko. Et puis, il a des tentatives d'assassinat. Et là, il continue à faire sa tête. Il y a des gens au creux de leur lit. Et quand il se rase le matin, il éduque les gens. Et donc, c'est ça qui est dangereux. À tout instant, ça peut tomber. Et ce qu'il a fait là, quand je vous ai expliqué, est-ce que je suis tribaliste, quand je dis, ça prend des hélicoptères de guerre pour aller bombarder le sud, le Poula. Et qui est dit interdit demain, prend les hélicoptères de guerre et venir terroriser autour de Lombo, Bouya, Dou, Tchikapika, tout ça. C'est possible qu'il soit du nord ou du sud, c'est possible, je vous dis sincèrement. Ce que Sassou avait fait du Congo, non. Est-ce que c'est perdu? On en parle là, vous voyez comment les réseaux du Congo sont nombreux, je vous dis sincèrement. Les réseaux du Congo sont très très actifs dans les médias et réseaux sociaux. Donc, c'est pas terminé cette histoire-là. Vous voyez ça? Mais demain, c'est que, et autour de Dou, Yombo, tout ça sera. Ça peut être chaud. Donc, on vous le dit pour le futur. Donc, il faut traiter ces contentieux-là pour éviter les soucis. C'est pourquoi, quand quelqu'un a des problèmes psychologiques, des problèmes psychanalytiques ou des problèmes sociaux, il faut traiter ça. Il ne faut pas laisser dormir comme ça. Parce qu'après, ça est dangereux. C'est dangereux. Et donc, Gachugo, qui est Mboshi, ça c'est sûr, il vient me donner des lésions de conscience et autres, alors qu'il sait bien que Aya Tonga, c'est un cerveau qui est construit, qui sait bien la situation du pays, historiquement. On peut même aller plus loin au-delà. Si vous voulez, on peut faire un débat au moment venu. Donc, Gachugo, Mboshi, ou Gachugo, donc, lui, c'est les cas de Mokoko et autres. Lui qui dit le nord, le sud et autres. Non, il n'y a pas de nord, ni sud, ni autre. Ce sont des réalités d'abord culturelles. Et ces réalités culturelles-là, on a cherché un peu d'avancer, mais chaque fois, les problématiques politiques. Quand les politiques arrivent, ils font. C'est tout Sassou Nguesso qui a consommé plus de deux tiers du pouvoir suprême au Congo. C'est un Mboshi, c'est votre responsabilité. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Qui. Si Sassou Nguesso est interdit de se rendre à Makwa, bon, au niveau politique, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que les gens, j'ai des bruits de fond, je suis le voix de sans voix. Quand les gens voient au Yo, regarde un petit village de pêcheurs qui jusqu'en 1990 ne valait même pas Makwa. Makwa fut l'unique nord du nord. Et on peut en multiplier les exemples. Les gens sont calmes. Ils sont stratégiques. Et dans ces cas-là, on ne sait pas qui on peut produire. Je vous l'ai dit que les gens-là du nord au sud, toutes les tribus périphériques des Mboshi, tôt ou tard, ils pourront vous trahir gravement. On vous l'alerte. C'est pourquoi, quand je mets les vidéos, je dis que il faut que vous commencez maintenant. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent. Comment vous n'arrivez pas à prendre votre responsabilité de Mboshi, où vous avez tout de pour tes responsabilités, de descendre Sassou Nguesso. C'est pas le tuer, non, l'arrêter, dit stop. On n'en a pas vu au Zimbabwe.
pour Robert Mugabe. On l'a vu comment on appelle, au Guinée-Conakry avec Mamadou Doumbouya, le colonel, qui a descendu Alpha Condé, qui est pourtant de la même tribu, et beaucoup de gens pour l'intérêt du pays. Mais vous êtes là comme des moutons, en train de regarder, et Sassou Nguesso vit sa vie avec tous ses contentieux. Il va partir comme un être mortel, sans payer la rançon de la gloire, de ses crimes. Et qu'est-ce que ça fait? Ça provoque d'autres salauds. Et demain, on va venir vous acharner contre vous. Ce ne sera pas Yatonga. Hein. Yatonga, c'est jamais été un tribaliste. J'ai été toujours là pour éveiller les consciences. Je garde toujours dans ma tête la raison. La raison va avec la conscience. Et dans la conscience, j'ai toujours placé la raison au-dessus des émotions. Hein. Ma liberté de conscience. Mon âme et conscience, ça, c'est que les Mbouchi font là, c'est que Sassou Nguesso fait là, c'est pas bon. En mon âme et conscience, et voilà, point, point, point. Vous imaginez? Donc, on éveille les consciences, l'intellectuel. Et Gachongo vient lancer des fatwas contre moi, disant que je suis le plus tribaliste ou autre. Non, on est là pour alerter. Vous êtes dans les émotions et autres. Maintenant, au moment venu, et quand nous serons plus là, vous allez voir un tordu qui sera même du nord, du sud, de l'est. On ne sait pas où est-ce que ça va sortir. Ce sont des contentieux historiques. Imaginez-vous, Sassou Nguesso, soit disant du nord là, ou de la Cuvette. Combien de cadres du nord ou de la Cuvette a-t-il tué? Même Mbochi. Où sont les Elongo? Jean-Didier Elongo. Où sont les Kundju? Où sont les Onyangé? Ou autres? Dabira même dit que, bon, ben écoutez, Nyangamboala. Ils ont dit l'avenir d'Mbochi. Oui, l'avenir d'Mbochi. Mais pour penser à l'avenir, mais lui, il ne pense pas au passé, au présent. Donc, réglez déjà les présents pour penser à l'avenir d'Mbochi. Descendez Sassou Nguesso, vous aurez déjà baissé cette énergie potentielle de haine, des rancunes et autres. Demandez à Sassou ce qu'il fait. Mais comme lui, il est dans son piège et dans l'arrogance de son pouvoir avec les donneurs d'ordre France Afrique, il fait qu'à sa tête, il gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée et il va nous laisser les contentieux entre nous. Mais les donneurs d'ordre, France Afrique, ils frottent les mains, tranquilles, comme au temps de l'esclavage, de la colonisation. Il y avait des contremaîtres, les indigènes qui servaient les colons ou l'esclavagiste. Ça se fait ce job-là. Et maintenant, nous, on se divise entre nous. On essaie un peu d'élever les consciences de vous que stopper Sassou Nguesso n'est qu'un être mortel. Vous pouvez les dire, mais écoutez, Sassou, on le force à l'exil, il va se rester avec ses. Il a les millions, non? On va les laisser même. Et on peut lui trouver Sassou Nguesso, même négocier avec la France. Et derrière Sassou Nguesso, il a moyen des moyens d'occuper le château de Versailles. Bah, on interdit tout Versailles, la ville de Versailles, qui est un dictateur France-Afrique, et autres. Il a beaucoup d'argent du Congo volé. Bah, on les met, et maintenant le domaine de Versailles, là, devient le domaine de Sassou Nguesso. Il laisse le Congo libre en paix et autres. Vous imaginez? Donc, il faut en tenir compte de ça, monsieur Gationo, bête Dio. Konawa. Donc, tu viens me lancer le patois et parler de mélanger Makwa et tout compagnie. Tu es con. Voilà. Donc, tu ne comprends pas l'enjeu de ce que je fais là, pour l'intérêt général. Vous voyez les tensions là qui arrivaient là? Les tensions jusqu'en 2000. 14, 15, 15, jusqu'à aujourd'hui. Ça a baissé les tensions entre le nord et le sud. Parce qu'ils savent bien qu'au nord, il y a des gens, il y a des intellectuels, il y a des gens qui sont là. Au sud, pareil. Donc, on s'est un peu de consolider le sens de l'unité nationale. Parce que l'unité ne se décrète pas. L'unité nationale se construit au gré des épreuves. Mais il ne faut pas aller dire, ah oui, même nous, au nord comme au sud, on s'est mariés. Oui, mais attendez, moi j'ai des cousins, j'ai de tout ça même dans le Mbochi. C'est pas ça le souci. Hein? Hein? Donc c'est pas ça. Le problème est politique. Mais politique, il y a un gars qui est là, qui est placé par la France-Afrique, qui essaie de nous piétiner et fracasser notre pays. Et laisser ces contentieux historiques. Qui vont les gérer? Qui va les gérer ces contentieux historiques? Sinon, on ne laisse pas des outils de réflexion pour que vous puissiez comprendre, prendre compte du danger. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, là, je voulais dire à ces messieurs Gationgo, Moshi, vous devez faire attention. Quand Jean-Claude Ngakoso disait que si on perd le pouvoir là, si on donne à Mokoko, on est fini. Attends, Mokoko, il serait plus dangereux que Sassou Nguesso.
Ngakoso qui a fait son séminaire à Makwa, il a été nourri. Hein? À Makwa, on nourrit bien. Hein? On l'a fait là, Ngakoso, mais là, il est contre les Mazakwa, non? Vous voyez ça? On peut en multiplier les exemples. Vous croyez que les gens ne connaissent pas? Il y a du bruit, des fois, au pouvoir des Sassou, vous avez autant d'Akwa, autant des Nord au Sud. Est-ce qu'ils écoutent ça? Ils voient les bruits des fronts qu'on est. Donc, nous sommes là pour vous alerter. Vous venez emmerder les gens. Mais il y a un même qui a dit, ah oui, mais vous êtes en concurrence avec Zenith TV ou ça. Non, je n'ai pas de concurrence. La chaîne là existe depuis quelle année? 2008. Zenith TV n'existait pas. Mais moi, aujourd'hui, comme on discutait une fois avec Aristide de mon BBC, dans le Nord, il y a deux chaînes qui sont les plus stars. Il y a la chaîne d'Ayatonga et mon BBC dans le Nord. Et pourtant, le Nord est moins peuplé. Mais regarde là, quand je suis coude à coude avec Diana TV, qui une chaîne qui est un sudiste, et la population la plus nombreuse est sudiste. Mais regardez là comment on vient écouter Ayatonga, parce qu'il unifie. Il est dans le son de veiller des consciences. Donc c'est comme quand je corrige les épreuves, je n'ai pas vu les voir qu'il est noir, blanc, jaune. Oh non, je vois les peuples, c'est comme ça. Donc on vous éduque. Et vous, par ignorance, par idiotie, vous avez détruit les pays. Vous avez foutu tout le monde dans la merde, vous avez assassiné les gens et vous venez défendre quoi? Parler du nord, du sud, de l'est. Non, le nord, le sud, on parle pas de point de vue culturel, mais il faut un cadre. Le cadre, là, ça se doit d'abord partir et on pourra reconstituer le tissu culturel du Congo et l'intégrer dans le cadre politique. On est bien d'accord? C'est pas parce que quand ça soit là, ça soit détruit la sculpture Kani, hein, vous qui dites Mboshi. Qui connaît Kani? Et Kani ne tue pas, ne vole pas, ne fait pas ce que Sassou Nguesso fait. L'histoire des sages, pareil. Les sages ne vont pas donner l'argent aux sages, on danse, on fait. Mais attends, on n'avait pas ça. On n'avait pas ce que Sassou Nguesso fait là. Mais lui, il vient danser, danser, danser sur les cimetières et aller distribuer l'argent. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Politiquement, on ne peut pas faire ça. Mais qui a amené cette culture-là? C'est Sassou. Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Le poisson pourrit toujours par la tête. Quand vous mettez un voleur à la tête de ce pays, bon, ben, la suite est logique. Vous mettez un criminel à la tête d'un pays, la suite est logique. C'est un effet d'entraînement. On vous a entraîné, vous êtes entraîné, conditionné à l'immoralité, au comportement antisocial, criminogène, etc. On voit bien ce que ça donnait. Mais on est là pour éveiller. Vous venez cogner sur les autres que voilà. Donc, venez écouter. Les gens sont déjà instruits. Donc, vous n'allez pas venir s'acharner et mélanger tout. Ce sont des gens, ce sont des cerveaux. Donc, tu comprends ça? Donc, pour ma part, je vais arriver à mes 60 ans. Vous voyez, à 60 ans, je suis là encore en train de parler du pays. Alors, je serai tranquille, mon pays, alors, mon pays serait tranquille. Et comme ma nature et tout ça que vous le connaissez. Vous venez parler de quoi? Moi, je dis, moi, il n'y a pas d'idiot. Hein. Même mes enfants, il n'y a pas d'idiot. Hein. La dernière qui a 23 ans, ni tous nés ici à Paris, ils n'ont pas d'idiot. Hein. Donc, il faut apprendre. Donc arrêtez ça. Donc il y a des gens qui vous traquent un moment venu. Au niveau administratif, passeport, visa, fonction publique, les concours et plein de trucs. Vous allez souffrir ces moments-là. Je vous dis sincèrement. Les polices, les armées, les institutions, et oh, il y a beaucoup de gens qui se préparent à côté de vous. Vous imaginez pas. Comme vous l'avez fait là. Le Congo, c'est un petit pays. On vous alerte. Attention. Baissez cette énergie potentielle-là. Dégageons Sassou Nguesso en trouvant des mesures compensatoires. Vous avez tué Guibis par vos colères. Vous cherchez à tuer Mokoko. Et vous préparez à la dynastie. Soit Denis Christian Sassou Nguesso au Kéba. Vous allez faire ça. Vous croyez que ça va marcher? Non. Vous êtes en train de tenir le pays-là dans la boue. Et à un moment, boum, ça va se déclencher. Le dérèglement politique et militaire est là. Vous ne voyez pas comment les gens de la Likwala s'acharnent contre vous. Vous ne voyez pas les gens de la Cuvette Ouest. Et Makwa, ce n'est pas la bande de la Yessa, c'est ça. Même la Yessa lui-même, dans sa conscience, s'est dit, ah tiens, quelle connerie. J'étais allé servir Sassou Nguesso. C'est ça le problème. Bon, on ne peut pas réécrire l'histoire. Mais ils savent, tout ce monde-là savent que. Hein, même Florent Thibault qui voit des sorciers, des esprits qui viennent lui demander de libérer au commissariat. Parce que sur sa conscience, c'est ça, ils n'en peuvent plus. Les Bakoukouya, ils sont en train de. Attends.
Donc, il faut en tenir compte de ça. Tu peux tout fouiller sans ta conscience. Donc, ce ne sont pas des idiots qui vous parlent. Ce sont des cerveaux. La matière grise. On est bien d'accord? Très bien. Vous avez compris. Likez, partagez et soutenez la résistance en cliquant ici. Commençons déjà par là. Commencez là. Tu n'es même pas capable de mettre 5 euros pour la résistance. Alors que les blancs ici, dans toutes les listes, entre l'arabe, les blancs, les autres, quand tu vois les gens qui sont engagés comme nous, on lance un message parce qu'on sait que ça, c'est du vrai. Ce sont des gens qui peuvent réformer le pays, mais qui éduquent. On prend du temps pour vous. Et vous ne pouvez même pas prendre 2, 3 euros et mettre là pour aller, ouais. Vous pouvez aller pour se bourrer d'alcool et aller et payer pour pour les blancs, pour autres, alors que là, l'intérêt général est là. Ok? Très bien. Peuple congolais, suivez la vraie résistance. Nous allons jusqu'au bout. Ça se voit tomber, doit tomber. Nous allons récupérer notre pays. Et nous placerons les gens capables de repenser une nation nouvelle. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt. Tokolonga.